Alors, je vous propose faire du sport pendant l'école à distance. C'est l'alphabet de l'EPS. Alors, vous prenez un mot chaque jour et vous le décomposez avec les lettres pour ainsi savoir votre circuit d'entraînement. Alors, moi, aujourd'hui, on est mardi, donc je vais prendre les lettres de mardi. Et je vais commencer donc avec le M qui est là. Donc, on va rapprocher. Donc, vous voyez, c'est tenir en équilibre sur les bras en angle droit 10 secondes. Après, on fera le A, le R, le D, le I, et je pense que vous avez compris la suite. Allez, c'est parti. Donc là, on est parti pour 10 secondes. On vous laisse compter, on va faire la version accélérée. Alors, il faut essayer de trouver un support de la bonne hauteur. Voilà, j'ai pris ce que j'avais, c'est un petit peu trop bas pour moi. Du coup, je ne peux pas être bien placé, mais surtout, si vous faites ça, il faut bien qu'on vous aide à bien vous placer. Et je pense que là, on a fait les 10 secondes. Donc le A, c'est 3 fois les jambes écartées. 1, 2, 3. Et une fois, on a gagné. Donc le R, faire 5 fentes avec la jambe gauche en avant. Le dos reste droit, donc on fait jambe gauche. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a la jambe droite pas loin ailleurs. Allez, c'est parti. Donc on doit faire 5 fentes en avant. C'est parti. On se rappelle, on essaye que le genou passe pas devant. Et bien entendu, on nous surveille pour pas faire de bêtises et bien être en angle droit. Et j'ai pas compté, ça fait 5. On passe au D, s'allonger et soulever le haut de son corps 3 fois de suite. Donc c'est un peu faire des abdominaux. Attention, vous voyez la position des bras. Et il ne faut pas relever trop, il ne faut pas casser trop le ventre. Donc on va voir ça tout de suite. Donc on place les bras et ce qui est important, c'est pas d'enrouler trop fort, c'est juste de lever et de faire 3 fois. On lève juste le haut du corps et on regarde bien en l'air, on évite de tirer sur la nuque. Ça c'est ce qu'il ne faut pas faire. On envoie les bras en haut et on continue de regarder en l'air en soulevant que le haut du corps. On ne plie pas trop le ventre et comme ça, tout va bien. Je pense qu'on a fait plus de 3 fois, donc on va pouvoir continuer. Et enfin, on termine avec le I, quelque chose qui va beaucoup amuser vos parents. Faire 3 fois le tour de la table à 4 pattes. Bien entendu, vous prenez une table à votre taille. Et si vous êtes plusieurs, il faut faire la course autour de la table. Et on se retrouve bientôt avec notre ami le poisson pour une autre vidéo.